venu, je mettais sur antibiotique 2 fois par jour. Aujourd'hui, je fais 6e jour, je fais sur antibiotique. Tous les jours, je fais antibiotique le matin, soir, les blancs transparents. Aujourd'hui, quand je fais antibiotique, le matin, le bébé, il peut jouer tout. Et il finit baigné, il m'a donné 30 ml du lait. Il finit boire, il me sur gage, il dormit. Après, il est relevé, il peut manger, mais quand il finit manger, il pourrait aller un petit peu. En même temps, une nurse est venue dire, tiens à moi et qu'une autre madame à côté, nous bébé le même antibiotique. Il dit, madame, pour faire une injection avec bébé, il dit, ok. Il fait pour madame là avant. Il finit fait pour madame là avant, et il fait pour moi. Quand il peut mettre une injection, il est pas si blanc, transparent, comme tous les jours, il est couleur blanc du lait. Je sais qu'on se travaille, mais pas connu moi. Comme on est venu mettre l'injection là, puis il a fait pleurer, il a dit mal. Mon ectolie commence, la langue commence, mais elle change couleur, il commence. Puis aller comme ça, ce figuier commence à me galoper devant, toi une miss. Mais miss, mon bébé, vous ne connaissez pas qui peut gagner. Moi, je vais faire ça à l'injection là, puis ça est arrivé. Mais c'est mon bébé, c'est bien, il est en bonne santé, c'est tout. Vos premiers enfants qu'il a 9 ans. Oui. Là, où tu gagnes un garçon? Moi, je gagne un garçon, on participe de mon sein. Je suis un traitement, mon sein. Et pour ça, on a là aussi, après 9 ans, on m'a dit, mon sein sans aucun traitement. Je priais beaucoup. Moi, j'ai envie d'avoir un deuxième enfant. Je priais maintenant, monsieur, je suis chrétien. Et quand je priais, bon Dieu, fait ce miracle, mon sein sans aucun traitement, sans normalité, normalement. Bonjour. Il a toujours le respiratoire, mais sur l'état extra critique. Vous avez besoin d'attendre peut-être 48 heures pour pouvoir confirmer si les enfants ont pu vivre ou non. 24 heures. Tout dans la même rangée, vous espérez. Okay.